Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 23 mars 2023. J'allais dire 2022, mais non, c'est 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Et il faut vous dire ça chaque matin. C'est quelque chose de très positif. Aujourd'hui, eh bien, euh, j'ai pigé l'énergie du cœur. Waouh, waouh, waouh. Mon cœur est mon centre réconfortant à partir duquel je répands toutes les énergies en direction de l'être dans sa globalité. Encore une fois, j'adore cet oracle, la fleur de vie. L'énergie du cœur, eh bien... Elle t'invite à aller pleinement à la recherche du centre de ton cœur. Et grâce à la fleur de vie, eh bien, tu seras à nouveau capable d'ouvrir ton petit cœur à toi-même. Peut-être que vous avez fermé votre petit cœur parce que vous avez vécu, vous avez peut-être été trahi, on vous a menti, on... Euh, on vous a fait du mal et vous avez refermé ce petit cœur. Eh bien là, aujourd'hui, on vient te dire que tu es capable d'ouvrir ton petit cœur à toi-même. Tu redeviendras ainsi beaucoup plus calme et tu pourras ainsi plus facilement percevoir cette... Petite voix douce, n'est-ce pas, grâce à laquelle, eh bien, ton petit cœur communique avec toi. Et dès le moment où tu redeviendras capable d'écouter la voix de ton petit cœur, il te sera également facile de lui obéir. Et ta vie ainsi pourra être, pourra ainsi s'orienter à nouveau en direction de l'énergie de ton cœur, L'énergie positive, l'énergie d'amour. Parce que là, on a l'impression que tu as tout fermé, là. Hein? On a l'impression que tu as mis ton petit cœur dans une cage, que tu as fermé la porte et que tu as mis un cadenas. Est-ce vrai? Eh bien, il est temps d'ouvrir ce cadenas, d'ouvrir cette porte et de sortir ce petit cœur qui ne demande que. À aimer et à être aimé. Et si tu fais ça, eh bien, c'est une relation particulièrement intime que tu vas cultiver avec ton petit cœur ainsi qu'avec la, la petite voix au fond de ton petit cœur. Et c'est ainsi que l'énergie de ton cœur connaîtra maintenant, eh bien, une expansion, afin qu'une intensité nouvelle soit là. Des impulsions d'amour puissantes en provenance du centre de ton cœur envahissera ton entourage tout entier. La fleur de vie absorbe ces impulsions, n'est-ce pas? Elle te les restitue en, en les renforçant et en les multipliant. C'est un véritable jardin du cœur qui est ainsi créé tout autour de toi. Il est rempli de tous les trésors qui attendent depuis toujours au fond de ton petit cœur qu'on vienne les chercher. Et c'est ainsi que ton être tout entier s'est ouvert. En grand, afin que tu puisses apercevoir la voix douce de ton cœur et obéir ainsi aux suggestions affectueuses qu'elle te chuchote si tu ouvres cette voie-là. Ça sera une formidable énergie pour la poursuite du chemin de ta vie qui va se, se créer alors, hein car tu es relié à la plénitude de la vie à chaque fois que tu suis les indications de ton cœur. Et ta réorientation en fonction de ton cœur, de l'énergie sage qui y règne, et eh bien transformera alors ta vie en une danse vraiment à des énergies sublimes. Suis tout simplement le rythme du chemin de ta vie, de ton petit cœur. Tu peux encore aimer et tu peux être aimé. Tu as le droit. Donc, ouvre ton petit cœur pour écouter sa petite voix. Beau message, n'est-ce pas On termine avec la, les, les couleurs de l'oracle et la bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.